Bonjour. Dernière vidéo sur la roue industrielle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'assemblage de la roue. Donc, pour l'assembler, on va utiliser les contraintes. Donc, comme à mon habitude, je vous fais ce commentaire en voix off. Donc, je supprime la webcam. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de partager si la vidéo vous a plu. On commence par placer les deux éléments que l'on souhaite assembler. Donc, les contraintes vont nous permettre de faire un assemblage comme si nous étions dans l'atelier. Ici, je place la roue et l'étrier. Donc, dans un premier temps, je vais assembler ces deux parties. La première contrainte consiste à axer les deux perçages centraux. Donc, on va aligner les deux perçages, celui de la roue et celui de l'étrier, et ces deux perçages vont se retrouver plaqués. Il suffira ensuite de mettre une distance entre ces deux plaquages pour centrer notre roue au milieu de l'étrier. On répète la même opération pour la vis et pour l'écrou. Petite précision sur les contraintes. Lorsque l'on crée une contrainte, c'est la pièce que l'on sélectionne en premier qui se déplace vers la pièce que l'on sélectionne en second. Il manque deux contraintes très utiles dans ce tuto. Ce sont des contraintes de plaquage et des contraintes d'affleurement. Nous verrons cela dans une future vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.